Décret D-2021-053-PRG-CNRD portant nomination d'un ministre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu le communiqué 01-2021-PRG-CNRD du 7 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-LGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur. Vu le décret D-2021-08-PRG-CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Décrète, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, M. Lansiné Kone, précédemment conseiller spécial de l'Agence de développement allemande, GIZ, auprès de la CDAO, est nommé ministre de l'économie, des finances et du plan. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 29 octobre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-054-PRG-CNRD portant nomination d'un ministre. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Mamoudou Nagnale Mbari, précédemment spécialiste en développement du secteur financier à la Banque mondiale, est nommé ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 29 octobre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-055-PRG-CNRD portant nomination des ministres. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Moussa Cissé, précédemment conseiller juridique du ministère de l'Économie et des Finances, est nommé ministre du Budget. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 29 octobre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D-2021-056-PRG-CNRD portant nomination à un poste de responsabilité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L-2018-025-AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-01-PRG-CNRD-LGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D
2021-08-PRG-CNRD, portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, décrète, article 1er, sur proposition du Premier ministre chef du gouvernement, M. Julien Bongono, précédemment enseignant et chercheur à l'Académie de Bordeaux, France, est nommé secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, Conakry, le 29 octobre 2021, colonel Mamadi Doumbouya. Merci pour votre attention.